shorty. I'm about to die for you, my shorty. Allô chérie. Coucou la directrice. Oh je t'en prie, arrête, ce n'est pas encore confirmé. Oh bien, je voulais être la première à te féliciter. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas encore officiel, ok? Mais cela sera officiel demain, mon cœur. Mais... Tu vas devenir la nouvelle directrice de la compagnie. Vraiment? Bien sûr que oui, madame la tenace. Arrête de me charrier. Mais sérieusement, je suis tellement contente pour toi. Mon cœur, tu as tellement travaillé si dur pour cette compagnie et je suis certaine que Dieu t'a accordé cette opportunité pour te récompenser. Amen, oh, je l'espère bien. Oui. Alors, maintenant que tu as eu cette promotion, je pense qu'il est temps pour toi de te trouver un homme. Elena. Raccroche ce téléphone, ok? On se verra demain. Qu'est-ce qui te prend, bon Dieu? Parle-moi de choses intéressantes. Mon nom est Kylie Johnson. Je suis une femme indépendante. Tout ce que j'ai en tête, c'est le travail. Rien que le travail. Je n'ai pas le temps pour les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai pu atteindre mon but dans la compagnie pour laquelle je travaille si dur. Maintenant que mon ancien directeur a quitté le pays, je le succéderai à la tête de la compagnie en tant que directrice générale. Ouais. Ouais. Salut. Salut, bonjour. Bonjour. Salut, comment vous allez? Bienvenue, bonjour, madame. Bonjour, salut, merci beaucoup. Bonjour. Salut, comment vas-tu? Salut, tu vas bien? Cher ancien bureau, je recevrai aujourd'hui du siège social ma lettre de nomination, donc je vais aménager dans mon nouveau bureau. Crois-moi, tu vas me manquer, mais non, pas vraiment, car je suis heureuse de... Kylie, tu es arrivée. Comment tu vas? Tu es là? Est-ce que tu l'as vu? Qui? Il est élégant, sophistiqué, il est mignon. Oh, tu parles de qui? Je parle de Monsieur Robert. Qui est-ce, le nouveau directeur? Quoi? Désolée, j'ai pensé que tu l'avais déjà appris. Apprendre quoi? Je viens juste d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'ai appris qu'en arrivant au travail ce matin que nous avons un nouveau directeur envoyé par le siège social. Et il est arrivé. Donc tu... à passer cette porte, vraiment contente, pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle? Kylie, juste la nuit dernière, tu étais au téléphone en train de me dire « Félicitations Kylie, je suis ravie !» Et maintenant, tu es ici en train de me dire qu'une autre personne a pris ce poste. Oh non, non Kylie, Kylie ne le prend pas de cette manière. Selon l'organigramme de la compagnie, tu étais la prochaine sur la liste. Mais à notre grande surprise, une autre personne a été nommée. En plus, j'étais contente à cause de ce bel homme et... non, à cause du poste. Entrez. Vous m'avez demandé? Oui, en effet. J'ai déjà rencontré tout le monde ici, mais pas encore mon assistante. Directrice adjointe. Y a-t-il
une différence avec ce que je viens de dire? La différence est que vous m'avez appelée assistante, ce qui me donne l'air de votre assistante personnelle. Mais en réalité, je suis la directrice adjointe de cette compagnie. Est-ce que vous me faites une blague, là? Non, je suis désolée, mais à cette étape, nous ne rigolons pas avec le boulot. D'accord, savez-vous au moins à qui vous êtes en train de parler, parce que vous êtes juste insolente. Insolente? Moi? Je suis désolée que cela vous ait si contrarié, mais je sais qui vous êtes, Monsieur Robert, le directeur. Mon nom est Kylie, et je suis directrice adjointe de cette compagnie. C'est bon, vous me l'avez déjà dit, ça. Ok. Très bien, vous savez quoi? C'est un malentendu. Je vous ai appelé parce que je voulais que vous me fassiez un briefing de tout ce qui s'est passé ici. Et j'espère qu'on pourra vraiment collaborer. Est-ce que c'est possible? Tu es vraiment sérieuse? Attends, pourquoi me raccompagner si tu ne veux pas me parler? Kylie, tu es trop impulsive. Ils ont nommé un nouveau directeur, donc tu réagis comme si on t'avait rétrogradé ou licencié. Laisse-moi te dire, Elena. Je mérite ce poste. J'ai tellement travaillé dur pour cette compagnie. Je mérite ce poste et non ce tout nouveau. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas nouveau. Il vient directement du siège social, tu t'en souviens? Attends, de quel côté es-tu? Du sien ou du mien? Eh bien, peut-être que s'il est un vilain monstre, je l'aurais sans doute détesté. Mais ce mec est trop mignon. C'est ça. Je suis même sûre que ton cœur battait fortement quand tu... Désolée, de quoi est-ce que tu parles comme ça? Je connais bien cette chanson. Je n'aime pas les hommes. Les hommes déçoivent, les hommes sont mauvais, les hommes sont des diables, les hommes sont ceci. C'est ce que tu vas faire tout le temps jusqu'à ce que tes cheveux blanchissent. Qu'il pousse, est-ce que c'est ta tête? Laisse-les pousser. Tu ne décroches pas? Veux-tu que je te descende ici? Oh, désolée. Je pense que c'est mieux. Ah, occupe-toi de tes affaires ou... J'ai compris. Je suis là. Où se trouve le document que j'ai demandé? Quel docu? Oh, celui-là. Je l'ai déjà envoyé au siège social. Vous avez fait quoi? Je l'ai envoyé au siège social. Pourquoi? Ne vous ai-je pas demandé de me l'envoyer? Ne vous en faites pas, j'ai eu la confirmation que c'est arrivé. Ça m'est égal! Ok, je m'en fiche s'il est bien arrivé, ce n'est pas votre boulot! Ne me faites pas crier au bureau. Écoutez, vous travaillez pour moi, d'accord? Je vous donne un boulot à faire, et moi je vérifie s'il est correct ou pas avant que vous l'envoyiez. Vous n'avez pas à le décider toute seule. Désolée, mais après le départ de M. Nelson, j'étais celle qui... Ça m'est égal! Pourquoi vous me faites crier? Bon Dieu, écoutez, c'est moi le responsable ici, d'accord? Croyez-moi quand je vous dis que les choses vont revenir à la normale. Et j'étais assez clair. Compris, monsieur. Très bien. Y a-t-il autre chose? S'il vous plaît, fermez la porte en sortant. Kylie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu réalises les conséquences de ce que tu es en train de faire? Pour l'amour de Dieu, c'est ton patron! Qu'est-ce qu'il fera donc? Tu veux perdre ton boulot? Nous deux savons qu'il m'a pris ce qui m'appartient. Et toutes les deux, nous savons qu'il peut faire un rapport sur toi et tu seras licenciée. Et avant même qu'il puisse y penser, je le ferai virer immédiatement, en le faisant passer pour un incompétent. Pourquoi tu fais ça? Parce que je le mérite. Je mérite cette chaise. Ce bureau est à moi. Je mérite ce poste et je vais l'obtenir. Sincèrement, je ne te comprends plus. Mais si tu veux mon avis, je te dirai de faire ton travail et de le laisser faire le sien. Crois-moi, Kylie, tu seras promue au moment opportun. Je t'en prie. Hey, mon Dieu, je souhaite tant être proche de ce beau et bel homme sexy au teint chocolat. Hey,
Mais à cause de ton obsession, j'ai bien peur que non. Quoi? Ta soif de pouvoir est trop. Bon, allez, à plus tard. Parfois, les scénaristes font leurs histoires comme des contes de fées. Hein? Ils font croire que l'amour se trouve au coin de la rue. Comme si on trouvait l'amour du jour au lendemain. Et facilement, on se marie et on vit heureux pour le restant de nos jours. S'il vous plaît. Ne jamais faire confiance à personne. Surtout pas à un garçon amoureux ou à un membre de la famille quelque part. Je vais te bloquer. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Allô, monsieur Robert. Bonsoir, Kylie. Il y a une réunion importante avec le chef Wellington demain. Elle est très importante et je ne suis pas sûr d'être présent. Va falloir que vous me secondiez. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si je vous le disais 5 minutes avant, cela ne changerait rien. C'est votre boulot, vous êtes payé pour ça. Donc vous le ferez sans poser de questions. Ai-je été clair? Très clair, monsieur. Désolé. Très bien. La secrétaire vous précisera l'heure et l'endroit. Je ne sais même pas pourquoi elle se plaint. Ok, monsieur, merci beaucoup. Parce qu'elle fait partie de la famille. Elle devrait être heureuse. Un emmerdeur, ce type. Mon frère, s'il te plaît... C'est quoi ça encore? Ok. Très bien. Tout est bien en ordre, alors vous pouvez les envoyer. Ok, compris, monsieur. Très bien. Excusez-moi. Elena. Mon nom, c'est Elena. Bien, Elena. Oui. Vous êtes amie à Madame Johnson, n'est-ce pas? Kylie? Oh oui, oui, oui. Vous l'aimez? Pardon? Monsieur, croyez-moi, Kylie est une charmante et gentille fille. Elle est si aimable, oubliez cette attitude qu'elle a parfois. Hein. À vrai dire, Kylie est tellement adorable. Et vous savez la bonne nouvelle? Kylie est célibataire. Kylie est restée trop longtemps sans homme. Mais Kylie est vraiment célibataire et... Est-ce que... C'est comme ça que vous êtes? Monsieur? Est-ce de cette façon que vous avez l'habitude de vous exprimer? Non, je ne parle pas trop en temps normal, je suis... Dans ce cas, qui est-ce qui vous a demandé tout ce que vous êtes en train de raconter? Je voulais juste savoir, à vrai dire, par vous, qu'est-ce qui ne va pas chez votre ami, mais je vois que Kylie et vous êtes pareils. Vous êtes toutes deux pareilles, mais avec des problèmes différents. Je suis désolée, monsieur. Gardez vos excuses. Bien, vous pouvez disposer. Quand Kylie reviendra de la réunion, dites-lui de passer à mon bureau. La réunion? Kylie est revenue, ça fait une heure maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas, monsieur Robert. Vous m'avez appelé et je suis ici maintenant. Vous aviez une réunion cet après-midi, si je ne me trompe. Mm-hmm. Et vous êtes de retour il y a plus d'une heure, apparemment. Oui. Oui? Ouais. Et il ne vous est pas venu l'idée de m'en informer dès votre retour? Désolée, je pensais pas que les détails vous intéresseraient. Donc, je ne l'ai pas fait. Désolée. Vous ne pensiez pas que j'étais intéressé par votre rapport? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de faire ici? Laissez-moi vous demander, est-ce que j'ai l'air d'un directeur de pacotille? À vrai dire, oui, puisque vous m'avez envoyé faire une réunion avec les chefs, alors je me suis dit que vous n'étiez pas intéressé. Êtes-vous généralement peu professionnel ou avez-vous choisi d'être tout simplement idiote? Monsieur Robert, je vous en prie. Je vous en prie. Sans vous manquer de respect, ne me traitez pas d'idiote. Ok, là c'est vraiment trop. C'est évident que vous avez un problème avec moi. Je ne sais pas si c'est personnel ou c'est le fait que je sois assis là.
Il me paraît très clair que vous êtes épuisé par ce boulot, donc. Poussez-moi donc à vous licencier. Oui, je vous en prie, allez-y, continuez comme ça. Pourquoi vous... Pouvez-vous me ramener le rapport, s'il vous plaît? Maintenant, je vous dis. Non, mais je rêve. Je le déteste. Qui ça? Lui, bien sûr, ce Robert. Ellie, écoute. Je suis ton amie. Et je veux... Hé, hey, à demain, soyez prudents. Bye. Bye. Écoute, je suis ton amie. Alors je vais te dire la vérité. Cette ligne que tu traces entre toi et le directeur ne t'arrangera pas parce qu'il a un pouvoir de décision plus grand. Écoute, ne t'en fais pas pour cela, ok? Je ferai tout et n'importe quoi pour que ce gars chute. Oh, je vous en prie, madame. Beaucoup. Je ferai tout ce qui est possible pour le faire renvoyer. Ok, c'est juste une question de temps. Il pense qu'il peut juste venir prendre mon poste et commencer à me donner des ordres. Pour quelle raison? S'il te plaît. Ceci devient plus sérieux que je le pensais, en fait. Kelly, tu commences à avoir l'air désespéré. C'est effrayant. Pour commencer, ce poste n'était même pas le tien. Nous supposions que ce serait toi parce que tu es la sous-directrice. Mais si le propriétaire de la compagnie dit qu'il veut quelqu'un d'autre, pourquoi te battre comme si cela appartenait à ton père? Laisse-moi te dire quelque chose. Rien de ce que tu dis ne peut me faire changer d'avis, d'accord? Alors tu peux élever la voix. Continue de crier. Je pense que tu laisses la haine des hommes t'envahir. Parce que cette action, de toute évidence, est une combinaison de haine et de jalousie. Et franchement, cela ne te mènera nulle part. Laisse-moi te dire encore que ça m'est égal comment tu conçois la chose, ok? Je dis ce que je ferai et c'est ce qui se passera. Tu as compris? Madame. Quoi? S'il te plaît, je vais t'attendre à ta voiture parce que moi, je n'ai pas un autre boulot. Vu que toi, tu as une autre alternative pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Ne viens pas à ma voiture, s'il te plaît. Bien sûr que je te suis. Tu ne me suis pas. Quelle honte. Je te rends visite et c'est moi qui te sers à boire. Madame, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pensais. Et tu pensais à quoi? À cette promotion, tu as compris? Oh mon Dieu. Non, merci beaucoup. Toutes les informations qui viennent du siège social passent par toi, n'est-ce pas? Donc? J'ai besoin que tu me rendes service. Ok. Écoute, je t'en supplie. J'ai besoin que tu m'envoies tous les messages provenant du siège social, je t'en prie. Tu es sérieuse? Non, je pense que tu rigoles. Je viens de te dire que je suis sérieuse. Kelly, c'est quoi ça encore? Donc, supposons que je dois remettre un courrier au directeur et que je ne le fais pas. C'est à toi que je dois le donner, c'est ça? Kelly, est-ce que c'est de la folie? Tu veux que je me fasse renvoyer? Tu ne perdras pas ton boulot, je vais prendre le pot cassé, relax. Écoute, Kelly, je t'en supplie. Laisse-moi profiter de ce moment ici et repartir chez moi en paix. Ok? Merci beaucoup. Alors, as-tu pensé à ce que je t'ai dit? Tu sais quoi? Passons un marché. Quel marché? Tu me dis ce qui s'est passé entre vous. Pourquoi tu ignores tous ces appels? Parce qu'elle ne fait que t'appeler tout le temps. Et je me demande pourquoi ton cœur est si dur. Ne me juge pas, ok? Tu ne connais pas mon histoire. Alors c'est quoi ton histoire? Ce n'est pas nécessaire. Ok?
ne cherche pas à savoir, d'accord? Comme je l'ai dit, passons et marchons. Arnaqueuse, tu veux forcément connaître mon histoire, hein? Non, pas du tout. Je suis sérieuse, c'est le marché. Passons au meilleur marché, hein? Que dis-tu de faire ce que je veux pour que j'atteigne mon objectif, hein? Ensuite, je t'explique tout. Comme tu veux. Compris? Eh bien, il y a un message du siège social. Ok. Quel message? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, tu vas bien? Je peux vous aider? Bien sûr, mets-le dans mon bureau. Bonjour, monsieur. Merci. Salut. Bonne arrivée, monsieur. Merci. Je vous en prie, je vous ai vu... Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Je vous ai vu entrer, j'ai juste souhaité vous saluer. Vous m'avez vu entrer et vous... Depuis quand? Monsieur? Depuis quand me suivez-vous pour me dire bonjour? Oh, je ne... Vous suis... Je suis désolée, je ne savais pas que j'avais tort de dire bonjour à mon patron. D'accord, les investisseurs seront là dans un instant pour la signature. Laissez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Non, mais qu'est-ce qui lui arrive? Assistante, Kali, j'ai besoin que... Excusez-moi, ouais, monsieur. Je vais à une réunion, je ne suis pas sûr de revenir. J'aurais besoin que vous récupériez les dossiers avant mon retour. Très bien, monsieur. Monsieur, puis-je venir avec vous? Et ce serait quoi la raison? Rien, j'ai juste... Contente-toi de récupérer les dossiers avant mon retour. Très bien, monsieur. Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Oui. Ok. Ok. C'est très bien. Merci beaucoup. Tout va bien? Je pense que j'ai fini. Oui, c'est terminé. Ok, très bien. Le directeur a besoin de ceci. Ok. Très bien, on peut y aller? Fais attention. Ne t'en fais pas, je gère, d'accord? Allons-y. Je suis exténué. C'est ouvert. Vous partez déjà? Oui, en effet. Vous n'avez pas vu l'heure? Oui, je suis désolée, je n'ai pas réalisé qu'il se faisait aussi tard. Très bien. Vous pouvez déposer les dossiers, je les regarderai demain, d'accord? C'est compris. Je n'ai rien oublié. Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, me rendre un petit service? Bien sûr. Je me demandais, s'il vous plaît, si je pouvais venir avec vous. Vous comprenez, repartir avec vous? Je ne comprends pas. Ma voiture a eu une panne ce matin. Je suis sûre que vous allez dans ma direction. Parce que ma voiture vous semble être un bien public? Non, mais j'ai l'air d'un taximan ou quoi? Je suis désolée, j'ai juste... Mais à quoi est-ce que vous avez pensé? J'ai pas le temps pour ça, d'accord? Très bien. Parlons-en. Qu'est-ce qui vous prend? Pardon? Très bien, ça va, vous avez gagné. Je n'ai rien oublié, donc je peux partir. Vous avez déposé les dossiers? Oui. Bien, il faut que je ferme mon bureau alors, s'il vous plaît. Je vous attends à côté de votre voiture. Il va me rendre dingue.
Êtes-vous marié? Pardon? Oh, pas de bague. Vous devriez penser à vous marier. De quoi est-ce que vous parlez? C'était juste une blague. Franchement, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Du calme, ok? Ce n'est pas que je ne puisse pas me marier avec un homme comme vous. Vous êtes assez compliqué. Oui, et il est important que vous sachiez qu'aucun homme sensé n'épouserait une femme aussi capricieuse que vous. Vous savez quoi? Quoi cette fois? Je ne pense pas que nous allons pouvoir poursuivre le chemin ensemble. De toutes les façons, j'ai quelqu'un d'autre à prendre, donc... Je vais vous laisser ici, prenez un taxi, ok? Bonne soirée. C'est si facile de vous frustrer. C'est vous qui voyez. Je vous taquinais. Oui, c'est ça. À demain. Au revoir. Merci. Mon directeur. Salut. Alors voici comment vous passez du temps hors du bureau. Prendre de l'air, se relaxer, passer du bon temps, hein. Kylie, nous ne sommes pas au service, d'accord? Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre temps libre. Dieu merci, je vous ai vu aujourd'hui. Je n'ai de regard que pour vous. Vous aimez cette boisson? Qu'est-ce que c'est? Ok, qu'est-ce que vous faites? Pardon? Cette manière de changer votre attitude, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi tout ça? J'essaie juste d'être amicale. Nous n'avons pas besoin d'être amis. Je veux dire que je vais parfaitement bien, ok? Je n'ai pas besoin d'une amie. En plus, on travaille ensemble, ok? Nous avons déjà une relation et ça me va comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je suis désolée si j'ai été dure et que je vous ai manqué de respect, mais... Je suis désolée. Ça va, d'accord? Essayons juste. Servez-la ce qu'elle veut. Et ensuite, vous repartez au boulot. Alors, content maintenant? Bien sûr. Je veux dire que je ne croyais pas à vos excuses, mais je veux bien vous donner une chance. Hey! Vous êtes vraiment autre chose, vous. Sachez que je peux être aussi très gentille et une très bonne amie. J'aimerais aussi la même boisson que lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde le football, ok? Le football? Coucou. Hey. Est-ce que t'as fini? Presque. Il t'a dit quelque chose? Pas vraiment. Il est très étonné de mon attitude. C'est normal. C'est ton attitude qui le rend suspicieux. Oh. Et franchement, je commence à croire que Robert est un mec super gentil. Ne pense même pas à cela. Mais... Pas de mais. Je t'en prie. Kara, ne gâche pas tout, ok? Désolée, madame. J'ai fini. Oh! Es-tu sûre que c'est parfait? Il va apprécier? Oui, en effet. C'est bien. Je repars dans mon bureau. En cas de besoin, appelle-moi. Merci beaucoup. Bonne journée, Kara. Fais attention, ok? You got me fly, anything you want.
C'est ouvert. Wow. Il semblerait que vous avez beaucoup de boulot. Ça va, je ne me plains pas. Est-ce que je peux vous aider? Non, ça va. Oui, bien sûr. Vous êtes mon assistante, après tout. Vous êtes du coup habilitée à m'aider, donc. Ok. Vous pouvez jeter un coup d'œil, s'il vous plaît. Oh. Vous analysez et vous me donnez votre point de vue. Très bien. Je veux un regard neuf. Quant à moi, je regarderai ceci. Est-ce que vous avez des amis à Lagos? Est-ce que ça a la moindre importance? Vous savez, l'avantage de m'avoir comme assistante, c'est que je peux être votre amie. Et vous voulez savoir la meilleure? Mais bien sûr. Je peux être l'amour de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Mais vous me courtisez ou quoi? Vous vous rendez compte que je suis votre patron? De toutes les façons, je sais que je suis un bel homme et que je fais de l'effet. Donc peut-être vous me trouvez attirant et vous voulez... Non mais je vous fais tant d'effets que ça? Regardez-le se jeter des fleurs, vous êtes drôle. À vrai dire, oui, je suis attirée par les hommes séduisants. Mais je suis une femme attirante, moi aussi. Mm-hmm. Une très belle femme. Vous êtes attirante? Attendez, qui vous a dit que vous êtes belle? Ce que je veux dire, c'est que probablement cette personne a raison. Oui, c'est vrai. J'ai un miroir à la maison. Et je suis sûre que je suis très belle parce que je me regarde chaque jour dans une glace et que je pense que Dieu a fait un très bon boulot. Comme je le dis, je pense que la beauté est universelle. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas mal, donc... Peu importe. Bien sûr que je taquine, vous êtes vraiment belle. Ah, merci beaucoup, boss. Oh, au fait, laissez-moi voir. J'ai remarqué quelque chose ici. Et je pense que peut-être nous devrions considérer l'offre. Bien, bienvenue dans mon humble demeure. Merci. Je ne veux pas vous flatter, mais vous avez une très belle maison. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas en train de me flatter, c'est en fait. Oh, désolé, asseyez-vous. Je peux m'asseoir là-bas? Bien sûr. Merci, j'y serai nettement plus à l'aise. Très bien. Vous me faites rire. J'aime la balançoire. Wow. Okay. Ok, une seconde. Merci beaucoup. C'est bon, là, vous êtes bien oui, assise. Oui, ça va. Alors, comme boisson, qu'est-ce que je peux vous offrir? Du Hennessy. Quoi? Hennessy. Je pense que je vais plutôt apporter vous de l'orange. Vous ne voulez pas me servir du Hennessy? Très bien, je vous rapporte du Hennessy, alors. Je reviens. C'est parfait. Be your boo, you be my bae. Then they talk, me no care what they say. You be my B, I be your J. Give me space in your heart, girl, I'm here to stay. Now your face I want to see every morning when I wake up. I can't lie, you know need makeup. I swear them they plan me to break up. But you got me hypnotized. Anything you want, I do, babe. You got me hypnotized. Be like saying you used to do, babe. You got me hypnotized. I see no one else but you, babe. You got me hypnotized. Show them say I
cause you my shorty. I'ma ride or die for you my shorty. You my shorty, cause you my shorty. Always by your side cause you my shorty. You my shorty, always by your side cause you my shorty. You my shorty, cause you my shorty. I'ma ride or die for you my shorty. You my shorty, cause you my shorty. Always by your side cause you my shorty. You my shorty. C'est ma meilleure c'est blague. Vraiment comique. Okay, tu l'as aimé alors. Bienvenue chez moi. Suis-je supposé te faire un câlin? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie juste de te mettre plus à l'aise. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Merci beaucoup. Ok. Je t'apporte quelque chose à boire? Non. Qu'est-ce que t'es en train de raconter? Nous revenons juste du restaurant. Tu bois un peu trop, on dirait. Tu peux juste dire non, merci. Pas besoin d'être aussi dur. Non, merci, je suis désolée. Ça va. Installe-toi confortablement. Et dis-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Ça va, merci beaucoup. C'est gentil. Ok. D'accord, à tout de suite. D'accord. T'as plutôt une belle maison. Je le sais. Je disais ça pour rire. Vous pouvez entrer, c'est ouvert. Aujourd'hui, vous êtes vraiment en retard. Désolée, je suis juste... J'avais quelque chose à faire rapidement, avant de venir. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne m'avez pas l'air bien aujourd'hui. Ouais. Je me suis réveillée avec une terrible migraine. Vous auriez dû appeler, vous n'étiez pas obligé de venir. Vous savez que je n'aime pas manquer le boulot. Ou peut-être que vous vouliez juste voir mon visage. très bien, vous pouvez prendre le reste de votre journée, ok? Allez vous reposer et je viendrai plus tard. Compris? Ok, c'est encore mieux. Merci. Je vous en prie. Comment c'était? Est-ce qu'il a suspecté quelque chose? Je ne peux plus supporter tout ceci. Tu as intérêt à tout terminer, Kelly. Elena, je t'en prie. Une lettre du siège est arrivée? Non. Kelly, écoute. Tu sais, ça m'effraie. Cela m'effraie vraiment. Si cette lettre arrive, tu seras suspectée. Il ne saura absolument rien. Je serai questionnée. Ce n'est pas amusant. Ah, mon Dieu. Pourquoi tu agis comme une enfant? Es-tu un bébé? Je veux dire, il te demande, tu lui dis que tu ne sais rien. Pourquoi tu stresses, hein? Hey, tu ne réalises pas encore. Ah, il aura une confirmation que j'ai reçu le mail. Et même si je nie, il peut vérifier lui-même et boum, je serai renvoyée. Tu sais quoi? Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien et il m'a dit que je peux partir à la maison. Donc, laisse-moi utiliser cet alibi pour rentrer et réfléchir à tout ceci, calmement, compris? J'espère que tu ne m'as pas créé de problème, oh. Quel problème? S'il te plaît, n'agis pas ainsi, sinon il va le suspecter. Arrête de stresser, calme-toi. Que veux-tu dire? À vrai dire, je pensais que tu plaisantais quand tu l'as dit, mais vraiment? Pourquoi ne te réfères-tu pas au plan? Pourquoi tu ne t'en tiens pas au plan? Tu agis comme une enfant. Je ne crie pas. Je ne crie pas, franchement. Tu ne pourras jamais changer. Je suis vraiment déçue. Je te rappelle. Salut. Salut. Tu es venu? Bien sûr, je t'avais dit que je passerais pour quoi t'es surprise. Ouais. Viens, entre. Tu vas bien?
Oui. Je t'ai apporté un cadeau. Oh. Merci. Je t'en prie. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Oui, je... Je vais bien. Je suis sûr que tu vas bien, je te trouve un peu bizarre. Bizarre? Je vais juste aller m'asseoir. Mais ça va mieux. Oui, oui, oui. Oh, oui, je vais bien. D'accord. Je suis rassuré alors. Pourquoi tu souris et tu me regardes comme ça? Ce que je voulais te dire, c'est que... on devrait sortir dîner. Un dîner? C'est ce que je viens de te dire, un dîner, oui. Sortir manger. On va sortir, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce un oui ou un non? J'adorerais. Ah, super. Je t'envoie les détails plus tard. Ce week-end? Bien sûr. J'ai envie d'être honnête avec toi, tu sais. Quoi? Tu me sembles... complètement différente quand tu portes des verres. Oh, ça! À notre première rencontre, est-ce que je portais des verres? Oui. Non, je n'en avais pas. Non? Non, je n'en avais pas. Quand tu m'as rencontré la première fois, j'en portais. Je pense que je t'ai vu avec des verres. Oui, mais ça, c'était dernièrement. Ou suis-je devenu fou? Non, tu... tu n'es pas fou. Mais j'ai un problème avec mes yeux ces derniers temps. Donc j'ai décidé de porter des verres pour le corriger. Mais ce n'est pas quelque chose que je porte tout le temps. Et je vais mieux. Je comprends. Et les cheveux, c'est juste un nouveau look ou quoi? Oh, le... tu parles de la coupe, n'est-ce pas? Oui, parce qu'à la base, tu as les cheveux courts. Il y a mes cheveux en dessous, mais ceci est une perruque. Ah, je vois, c'est une postiche. D'accord. Oui, je sais que pour vous, les hommes, c'est compliqué. Mais j'ai porté cette perruque. Mais quand je suis à la maison ou autre, j'aime... Non, je comprends parfaitement. C'est juste pour le boulot. Oui, d'accord. Je l'utilise juste pour le boulot. Ah, cool. C'est intéressant. Ok, eh bien... D'accord, ici... tu me parlais plus de toi. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas sur toi. Toi, dis-moi plutôt sur toi. Mais je viens de te le demander, donc tu me réponds d'abord et moi ensuite. Non, toi d'abord. Allez, vas-y. Tu ne sais pas ce qu'on raconte, les femmes d'abord. Tu connais bien la règle. Ok, tu sais quoi? C'est ainsi que ça se passe partout dans le monde, tu sais. Ça va, tu as gagné. Qu'est-ce que tu veux savoir? Très bien, commençons par... où as-tu fait l'école? Ah, je vois, c'est une question ennuyante. Très bien, je change la question. À vrai dire, je ne sais vraiment pas par où commencer. Dis-moi ce que tu veux sur toi. Ah, tu es plein aux as. Regarde ta maison. Waouh. Tu joues toujours la comédie de cette manière? Tu réagis comme si tu n'étais jamais venu. Oh, déjà? Ignore-moi, tu sais que je suis la reine de l'humour. J'aime bien te taquiner. Désolé, une seconde. Très bien, installe-toi confortablement, je reviens tout de suite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fera? Parler ou... Qu'est-ce que tu veux dire par parler? Je me suis souvenu que je devais travailler sur un dossier, donc j'aurais besoin de ton aide. D'accord? Ok. Laisse-moi aller le chercher. Kylie, un dîner? Parle, s'il te plaît, dis-moi. Donc, vous êtes sortie, tu es allée dans sa maison et vous avez passé du temps ensemble. Ah. Est-ce que vous avez... Faire quoi? Tu sais de quoi je parle. Ah. Nous n'avons rien fait de tel. Il n'y a pas eu de relation sexuelle. Nous avons juste discuté, rigolé, parlé de boulot. J'ai savouré chaque seconde passée avec lui. Il est vraiment sympathique. Oui, j'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Quoi? J'espère que tu ne commences pas à l'aimer. L'aimer? Comment ça? Ah, non. C'est mieux, tu ne peux pas te permettre une telle chose. Je ne l'aime pas du tout. En fait, j'ai juste besoin de trouver une solution pour arrêter cette amitié.
Oui. Ah, pauvre Robert. Ceci est correct. Tout est bien en ordre. Prenez tous ces documents. Compris. Et aussi celui-ci. Ok. Avant que vous ne partiez. Eh bien, je me disais que nous devrions regarder un film ce week-end, si c'est possible. Je suis désolée, mais je n'aime pas aller au cinéma. Ça me va, on peut le faire chez moi, si vous le voulez. Ok. Ok, très bien. Rassurez-vous, vous allez adorer. Je t'apporte un peu de fromage. Non, merci. Merci beaucoup. Je vais le poser ici si je n'ai pas envie pour l'instant. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Ça va? Oui, très bien, tout va très bien. Je suis... n'importe quel film, je veux juste passer du temps pour être honnête. Qu'est-ce que tu aimerais regarder? Peu importe, comme je te l'ai dit. Je suis vraiment belle, tu le sais, ça. Merci beaucoup. Très bien. Je ne sais pas comment te le dire, donc je vais me lancer. Je crois que je suis amoureux. Quoi? Tu n'es pas obligé de répondre, tu sais. Je tenais simplement à te le dire. Je veux que tu le saches, c'est tout. Je suis... aussi amoureuse. Pour de vrai? Quoi? Kylie, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit que je l'aimais. Est-ce que tu as perdu la raison? Je pense que je suis amoureuse. Non, je pense que tu as perdu la tête. Quoi? Je lui ai juste dit ce que je ressentais pour lui. Où est le problème? C'est comme si tu oubliais tout ce qui se passe parce qu'apparemment tu l'as oublié. Kylie, au cas où tu l'aurais oublié, permets-moi de te le rappeler. Kylie! Quoi? Nous parlons de Monsieur Robert. Robert, le directeur. Je le sais. J'aurais souhaité ne pas le détester la première fois. J'aimerais ne pas avoir à passer un mois supplémentaire pour le faire tomber. Kylie, il est trop tard pour le souhaiter, ok? Ma chérie, le mal a été déjà fait. Alors tu ferais mieux de ne pas empirer en tombant amoureuse de lui. Je suis déjà tombée amoureuse de lui. Kylie, t'as pas intérêt. J'espère juste que le siège social ne prendra pas assez de temps pour le renvoyer. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Plutôt ringard. Ok, et pourtant, c'est ma meilleure cravate. Non, comment ça? Non. Attends, tu ne l'apprécies pas? Le bleu t'ira mieux. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est pour moi? C'est une lettre du grand siège. Pourquoi le siège social m'envoie-t-il une lettre? Il pourrait m'envoyer un mail. Il était détaillé dans le mail que je devais l'imprimer. Je comprends. Qu'est-ce que c'est? Quoi?
Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça n'a pas de sens. Suspension? Non, mais je ne comprends pas. Pourquoi serais-je suspendu? Je n'ai absolument rien fait. Oui, c'est... Il est mentionné ici que... tu es en période de... d'observation. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Je te dis que je n'ai rien fait. Calme-toi. Arrête, je t'en prie. Ne me dis pas de me calmer. S'ils veulent me suspendre, c'est d'accord. Mais au moins qu'ils me disent ce que j'ai fait. Franchement, dis-moi ce que j'ai fait. Ah, s'il te plaît, Lisa, et dis-moi. Pourquoi devrais-je être suspendu? Tu as laissé la barbe. C'est différent, n'est-ce pas? J'ai l'air ouais, différent. Mec, ça te donne un look. Comment ouais. tu vas? Je me porte bien. Je vais bien, merci. Oh, tu as un petit problème? Ouais, tu peux mais... appeler quelqu'un pour t'aider non, si non, tu veux. Non, c'est le mécanicien, il travaille là-dessus. Tu en es sûr? Il finira tout à l'heure. Oui, oui. Mais un autre peut venir. Non, ce n'est pas la peine. Ça va. Je devrais d'accord. prendre ton numéro pour qu'on se revoie absolument, éventuellement. Absolument, il le faut. Mon ami. Je t'écris ça mon fait numéro, vraiment allez. Longtemps. Comment tu vas? Ah. Non, mais un instant. Laisse-moi voir. Oh, ouais. Attends, tu es marié. Mm-hmm. Toi. Il y a une personne qui a accepté de t'épouser. L'amour. L'amour peut tout changer. T'es un fou, mec. Ah. Très bien, voici. Mm. Ok. Voici mon numéro, appelle-moi quand tu veux, pour qu'on puisse prendre un déjeuner ensemble. Oh, en effet. Contacte-moi pour je que je puisse rencontrer celle qui est devenue oh, ta oui, femme. Oh oui, mec, tu la verras. Toi également, viens avec ta femme. Ramène-moi une de tes connaissances, j'en serai ravi. C'est toi qui as trouvé la mienne. Allez, oublie ça. Je suis content de t'avoir revu. Oui, allez. Oui, moi aussi, Robert. Merci beaucoup, je vais t'appeler. Fais-toi pousser ouais. les cheveux, mec. Non, pas du tout, c'est ma marque déposée. Allez, prends soin de toi, frangin. Oui, et tu as vraiment bonne merci, je fais de mon mieux. Ah, Robert, mon ami. Jeune homme, démarre cette voiture maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu fais? Tout le Nigeria me verra ici. T'es contente maintenant? Suis-je censée être ravie? Tu sais, Kylie, c'est peut-être ce que tu as toujours voulu. Et même si c'était pour environ un mois, tu as toujours voulu que l'on sache que tu étais directrice par intérim de la oui. compagnie. Je veux être directrice. Mais pas au détriment de mon sommeil, la nuit. Oh, alors tu aurais dû y réfléchir. Tu aurais dû y réfléchir. Est-ce que tu me blâmes pour ceci? Écoute, Kylie, si tout nous retombe dessus, ne me prends pas pour responsable, ok? Mince, qu'as-tu fait, Kylie? Qu'as-tu fait, Kylie? Oh. Allô, Robert? Je dois juste... faire attention, ouais. je devine. Comment tu vis la suspension? Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Je vais bien. Oui, je comprends. C'est juste pour un moment. Mais j'espère qu'au travail, tout se passe très bien. Eh bien... Comment oses-tu montrer ton visage ici? Je ne savais pas que je te verrais ici. Je suis venu ici pour voir Robert. Attendez, qu'est-ce qui se passe là?
Kylie. Non. Qu'est-ce qui vient de se passer? Denis, bon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que c'est Kylie, ta femme? Ah, ce n'est pas ma... Oublie celle-là. Qui est l'autre femme? Pourquoi elle... Mec, mais réponds à ma question. C'est Kara, ma femme. La sœur jumelle de Kylie. Tu dis quoi? Alors, dis-moi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Robert sait déjà que tu as... une sœur identique. Tu sais ce que ça veut dire? Je me sens si mal en ce moment. Pourquoi Robert doit avoir Denis comme ami? Et c'est qui, Denis? Le mari de Kara. Oh. Oui, avant que j'oublie, nous avions un marché. Donc maintenant, il est grand temps que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Kara. Bien. Kara et moi étions vraiment proches. Je veux dire, c'est ma sœur jumelle, nous faisions tout ensemble. Nous avions les mêmes vêtements. Nous faisions les mêmes tissages. Nous aimions le rouge comme vernis. On faisait tout ensemble. Nous étions simplement inséparables. Je n'étais pas cette personne froide. Tu vois? Nous étions allés à une soirée ensemble. Et nous avions rencontré Denis. Oui, nous nous sommes rencontrés à une soirée. C'était vraiment très branché. Avec des artistes de renom, il y avait de la bonne ambiance, il y avait de belles femmes. Encore toi. Et tu me connais, j'ai eu des sentiments, donc je suis allé vers elle et ensuite nous avons rapidement tissé une belle amitié. Alors comme ça, t'es allé à une soirée et tu as eu le béguin pour des jumelles au même moment, c'est bien ça? Kara et Kylie. Tu sais que j'ai toujours émis l'idée d'avoir des jumelles comme amies, tu sais. Donc ce n'était rien pour moi de me tromper sur leur identité quand je leur rendais visite. Mec, tu avais d'autres intentions. C'est là que j'ai commencé à développer des sentiments. Ok, attends. Des sentiments pour laquelle? Ok, là était le problème. J'avais déjà développé des sentiments, mais je ne savais pas pour qui au juste. T'es vraiment un malade. Bah ça, je le sais. Je ne comprends pas, elle se ressemble tant que ça? Ah, je t'assure. Le même comportement, la même personnalité, même sourire, le même corps. Je t'assure que je n'arrive pas à faire la différence. Oui, voilà pourquoi je dis, comment as-tu... Ok, laisse-moi reformuler. Comment as-tu finalement choisi Kara si elle se ressemble tant, dis-moi? Je n'ai pas choisi Kara, à vrai dire. Je l'ai vue en premier. Et j'ai dit à Denis ce que je ressentais. Il a dit qu'il ressentait la même chose. Nous deux avons décidé de le cacher à Kara. Dans ce cas, vous deux avez fait une erreur. Crois-moi, ce n'était pas une erreur. Même si je lui avais dit plus tôt, ça n'aurait rien changé. Pourquoi? Parce que Kara aussi était amoureuse de lui. Vraiment? Oui. Elle est allée dans mon dos pour avouer ses sentiments à Denis. Et devine quoi? Quoi? Ok, et franchement, c'est là que j'ai déconné. J'aurais juste dû dire à Kara que je sortais avec Kylie, mais non, pas du tout. Pourquoi non? J'ai dit que je les aimais sans même savoir à qui je parlais en réalité. Tu as fait quoi? Je suis sérieux, mon frère. Tu leur as dit que tu les aimais? Robert, aimer Kara était exactement la même chose qu'aimer Kylie et vice-versa, donc j'étais vraiment confus. Ceci n'est pas une confusion, mais plutôt une stupidité. Viens-tu de me traiter de stupide? Non, tu n'es pas stupide. Tu as fait une chose stupide. Comment peux-tu aimer des jumelles en même temps? Je veux dire... D'accord. Oublie cela, s'il te plaît. Honnêtement, comment t'as fait finalement pour rester avec Kara? Je savais qu'ils avaient une relation, mais j'ai confronté Kara. Je lui ai dit que... En fait, je l'ai accusée d'avoir volé mon homme. Mais elle s'est défendue et elle a dit que j'avais volé son homme. Mais j'ai rencontré Denis en premier et je suis tombée amoureuse de lui. J'avais l'impression d'avoir le droit d'être en colère. Je pense que tu aurais dû confronter Denis à la place.
Kara et moi l'avions confronté, mais parce que Kara ne portait pas ses lunettes, il ne pouvait même pas dire qui était qui. Tu es sérieuse ? Oh oui. Ni moi ni Kara n'étions prêtes à le laisser partir. Et c'est alors que le combat s'ensuivit. Donc, je devine que Kara a gagné. En tombant enceinte de lui. Ah, j'ai vraiment déconné, mec. Mais ce n'est pas vraiment de ma faute parce que Kara est venue chez moi à la maison pour me dire d'accord et qu'elle a décidé de se résigner pour Kylie et que même si cela lui coûtait vraiment cher, elle devait le faire pour sa sœur. Et moi, au lieu de respecter sa propre décision, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai encore merdé. J'ai commencé à la voir en secret, Mec, dis-moi que tu n'as rien fait. J'aurais souhaité non, mais ne mais dis-moi faire. Que tu n'as rien fait. J'ai même essayé, bien sûr, mais nous étions tellement comment complices... Comment as-tu pu ? Qu'on se dévorait même du regard, et avant que je ne réalise, on s'était déjà embrassés. Oh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je ne sais pas du tout, c'était tellement intense que je me suis laissé emporter, nous avons fait l'amour. Est-ce ainsi qu'elle est tombée enceinte ? Ok, ça a changé la donne pour moi parce que Kara a dit que sa famille n'accepterait jamais qu'elle ait un enfant sans être mariée. Alors la seule option que nous avions était de nous marier. Eh ben, je ne vais pas te mentir, c'est vraiment troublant. Non seulement Kylie ne s'est pas présentée au mariage, mais elle ne s'est même pas arrêtée pour dire bonjour lorsque nous avons perdu l'enfant. Même pas un seul message, Robert. Écoute, Kara et moi avons toujours essayé de renouer les liens, de vouloir nous excuser et enterrer le passé avec, mais elle ne nous a donné aucune chance. Elle ne répondait ni à nos appels, encore moins aux messages. Mais voyons, mec, soyons réalistes. Considère un instant ce que toi-même tu viens de dire. Ce sont des histoires qui arrivent, d'accord ? Je ne blâme certainement pas Kylie et Kara encore moins. Ce n'est pas de sa faute. C'est plutôt de ma faute, je l'assume. En effet, c'est de ta faute. Écoute, je sais que je plaisante avec tout, mais là, je ne rigole pas. Dennis, peut-être que je peux essayer de lui parler. Tu comprends, essayer d'être le médiateur. Tu pourras venir avec Kara et essayer de raisonner Kylie et ressouder les liens familiaux entre les deux sœurs. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment cela. Merci. Je t'en prie. Mais je tiens à ce que tu saches, t'es vraiment un sale type. Il faut que tu changes. You better get out and walk. If you can't pay the man, you better get out and walk. Je vous demande pardon. Tout ceci est un peu nouveau pour moi. Mais... je tiens tout d'abord à vous dire merci pour votre présence. Surtout toi, Kylie. Dennis m'a suffisamment parlé de cette vieille histoire qui vous relie, vous trois, et... j'ai juste pensé que nous pourrions avoir une assise comme des adultes. Que nous pourrions en parler et rendre la situation un peu plus paisible. Merci beaucoup, Robert, mais... je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi faire ceci, car ça ne changera rien. Je pense que tu as tort. Évidemment, toi et ta sœur devez vous réconcilier. Je peux voir comment vous vous regardez. Lorsque je vous regarde toutes les deux, je peux ressentir l'envie de vider vos sacs. Comme si vous attendiez l'occasion. Je pense qu'il est grand temps de... c'est tout ce que je peux dire, voilà. Donc, prenez votre temps et décidez-vous vous-même. Allez, mec. Kylie, je voudrais vraiment m'excuser pour... médecin, après la mort. Ok, que tout le monde fasse une pause, ok ? Ce que nous faisons ici n'aidera personne. Essayez juste. Il y a des choses à dire, ok ? C'est évident que... il est vraiment désolé de tout ce qui s'est passé. Et je crois que si tu prends la peine de l'écouter, tu trouveras la force de lui pardonner. Mais, Kylie, nous avons essayé de nous excuser, mais tu n'as pas voulu nous écouter. Dans quel but ?
Je n'ai pas besoin de tes excuses, ok? Tu as déjà eu ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Kylie, ma sœur, nous devrions pouvoir nous pardonner et passer maintenant à autre chose. Tu aurais dû penser à cela avant de sauter sur mon homme. Ok, Kylie. Temps mort. Tout ça n'aidera personne. D'accord, Kylie? Ils ont des choses à dire. Ils n'ont pas à s'excuser auprès de moi. Et je n'ai vraiment pas de pardon pour vous deux. Kylie, pourquoi est-ce que tu es aussi difficile? Je pensais que nous avions fait une croix dessus. Je pensais que nous avions un accord. Ferme ta bouche. Tu te tais. Ne me dis pas de me taire. Kara. S'il te plaît. Kylie, pourquoi tu es si... Pourquoi es-tu si difficile? Pourquoi es-tu si égoïste, Kylie? Pourquoi tout doit toujours tourner autour de toi? Oui, c'était fait exprès de tomber enceinte, mais Denis et moi sommes tombés amoureux. Et finalement, avec le temps... Oui, c'est vrai. Je voulais être avec lui. Même si tu dis que... Tu es tombée amoureuse de lui la première. Mais il est arrivé ce qui est arrivé et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, Kylie? Tu sais quoi? Si tu m'as appelée juste pour me dire ces choses, je vais partir. Non, attends juste un instant. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas avant que je dise à Robert exactement ce que tu as fait. Je ne comprends pas. Me dire quoi? Eh bien, Kylie m'a demandé... Écoute, je vais le lui dire moi-même. Me dire quoi? De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Kylie? J'allais te le dire de toutes les manières. Alors dis-moi. Je ferai tout. Et n'importe quoi pour qu'il chute, ok? C'est juste une question de temps et il pense qu'il peut venir ici prendre mon poste et commencer à me donner des ordres. Pour quelle raison? S'il te plaît. Ok, ceci devient plus sérieux que je ne le pensais. Kylie, tu commences à avoir l'air désespérée, c'est effrayant. Pour commencer, ce poste n'était même pas le tien. Nous supposions que selon l'organigramme, tu étais la prochaine sur la liste. Mais si le propriétaire de la compagnie dit qu'il veut quelqu'un d'autre, pourquoi te battre comme si la compagnie appartenait à ton père? Laisse-moi te dire que rien de ce que tu dis ne peut me faire changer d'avis, d'accord? Alors si tu veux crier, élève la voix, continue de crier. Toutes les informations venant du siège social passent par toi, n'est-ce pas? J'ai besoin que tu me rendes service. Ok. J'ai besoin que tu m'envoies tous les messages qui proviennent du siège social, je t'en prie. T'es sérieuse, là? Non, je pense que tu rigoles. Je viens de te dire que je suis sérieuse. Kylie, c'est quoi ça encore? Donc, supposons que je dois remettre un courrier au directeur et que je ne le fais pas, c'est à toi que je dois le remettre, c'est ça? Tu sais quoi? Passons un marché. Quel marché? Tu me dis ce qui s'est passé entre vous? Pourquoi tu ignores tous ces appels? Parce qu'elle ne fait que t'appeler tout le temps. Et je me demande pourquoi ton cœur est si dur. Ne me juge pas. Ok, tu ne connais pas mon histoire. Alors c'est quoi ton histoire? Ce n'est pas nécessaire. D'accord? Ne cherche pas à savoir. Ok? Comme je l'ai dit, passons et marchons. Arnaqueuse, tu sautes sur l'occasion pour connaître mon histoire, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je suis sérieuse, c'est le marché. Que dis-tu de faire ce que je veux pour que j'atteigne mon objectif? Ensuite, je t'explique tout. Comme tu veux. Compris? Eh bien, il y a un message du siège social. Ok. Quel message? Il se tiendra un long séminaire à Abuja pour tous les directeurs de toutes les filiales. Et c'est obligatoire pour eux. Et il est clairement indiqué qu'ils auront une pénalité si un manager ne se présente pas. Parfait. Parfait. C'est exactement le message que je voulais entendre. Continue. Je ne te comprends pas.
Je suis si contente. J'irai à Abuja moi-même. Et je vais le représenter. Ne le dis à personne. Pour aucune raison. Ne lui dis rien, ok? Je vais juste me présenter à Abuja à son insu. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non. En fait, je le dirai aussi que, depuis qu'ils l'ont transféré ici, je suis celle qui gère absolument tout dans cette entreprise. Kelly! Quoi? Je t'avais prévenu que je ferais tout mon possible pour faire chuter cet homme. C'est de la folie. Donc, dis-moi, quelle sera ton excuse pour ton absence? Parce que je suis absolument sûre que Robert sera ravi de te signaler pour toute absence injustifiée. Waouh. Je devine que c'est le moment de me réconcilier avec ma sœur. Alors, avons-nous un accord? Kylie, est-ce que tu réalises ce que tu dis? Tu me demandes de te remplacer à ton travail, à ton boulot, en échange de ton pardon. C'est un peu trop. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, si tu as utilisé le fait que nous sommes identiques pour voler mon homme, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Kylie, je n'ai pas pris ton homme. S'il te plaît, ce n'est pas pour cela que je suis ici. Je ne veux pas parler de ça. Parlons de ce pourquoi nous sommes ici. Kylie, je veux vraiment t'aider, mais je ne peux vraiment pas faire ça. Je veux dire, je ne connais absolument rien à propos de ton boulot et tu veux que je prenne ta place pour toute une semaine. Tu veux que je te pardonne ou pas? Et ne t'inquiète pas pour ce qui concerne le boulot, j'ai une amie au travail qui se nomme Elena. Elle t'aidera dans tout ce qu'il y a à faire, ce n'est pas aussi compliqué que tu le penses, d'accord? Mais, il y a des termes et des conditions. J'espère me rappeler de la liste. Tu dois vivre dans ma maison. Tu dois porter tous mes vêtements du boulot, ainsi que mes sacs. Suis exactement ce que je dis, mais je ne t'autorise pas à toucher ma voiture. Ne la touche pas, pitié. Elle est à moi, ok? Et enfin, je ne suis pas sûre que ça t'aiderait que tu portes des verres. Ça te dirait de les enlever au boulot? Ça te dérangerait aussi de ne plus porter cette perruque? Tu pourras porter une de mes perruques, seulement une seule. Je te donnerai celle-là, ok? Mais surtout pas cette perruque, je t'en prie. Je sais que tu as tous ces piercings et je ne veux pas qu'ils voient tout cela, d'accord? Je t'en prie. Kylie, je veux garder mes cheveux courts et aussi je veux garder mes lunettes. Ok, tu sais quoi? Très bien. Tu peux garder ta perruque courte puisque tu l'aimes tant et tu ne veux pas de perruque. Tu portais des tissages et tu étais si belle avant. Maintenant que tu t'es mariée, tout a changé. Avant que je n'oublie, tu dois mettre tes ongles en rouge, ok? Ils savent que mon vernis est toujours rouge. C'est vraiment quelque chose qui m'identifie au travail. Donc ne l'oublie pas, je t'en supplie. Pitié. Salut. Elena, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. C'est un plaisir de te rencontrer. Le plaisir est partagé. Tu ressembles exactement à Kylie. Je sais. Les gens le disent tout le temps. Nous sommes identiques, oui. Ok, donc je vais t'aider dans tout, compris? Okay. Tu n'as pas assez de boulot, ok? Oh, merci beaucoup. Et pour l'heure, le patron est là, donc je vais vous montrer son bureau. Ok. S'il vous plaît, ne soyez pas méfiante, compris? Ok, je vais essayer. Mais et s'il me pose une question dont j'ai pas la réponse? T'en fais pas. Kylie et le directeur ne sont pas amis, ne t'en fais pas. Ah, ok, c'est compris. Ok, partons. Oh oui, bien sûr, je te suis. Que veux-tu dire? À vrai dire, je pensais que tu plaisantais quand tu l'as dit, mais... Vraiment? Pourquoi ne te réfères-tu pas au plan? Pourquoi ne t'en tiens-tu pas simplement au plan, dis-moi? Je ne crie pas. Je ne crie pas, franchement, tu ne pourras jamais changer. Ok. Quelqu'un ici peut m'expliquer tout ça. Je vous en prie. Personne? Ok, laissez-moi comprendre tout ça. Vous voulez dire que la personne dont je me suis rapproché la première fois était toi et non... C'est incroyable. J'ai été suspendu. D'accord, tu es allée à la réunion des directeurs en tant que représentatrice à ma place et... Mais dans quel but? Parce que le fait est clair que j'ai été suspendue. Robert, je suis désolée. Je n'en reviens pas. Comment ai-je pu ne pas voir tout ça? Je veux dire, ton comportement avait changé, mais... Ah, après tout ce que tu as fait...
Je dis bien tout ce que tu as fait, partir là-bas, me faire suspendre, et tu reviens ici me dire que tu m'aimes. Qui peut faire ça? Je te promets que... je t'aime vraiment, je ne sais pas comment, j'ai juste... Je crois que j'en ai assez entendu. Je vais demander à tout le monde de quitter ma maison et... il faut juste... sortez de chez moi, d'accord? Pour que Robert récupère son poste. Elena, t'en fais pas pour cela. Je leur dirai que tu m'as envoyé le message et que c'est moi qui n'ai pas fait la commission. Donc, écoute, ça sera ma faute. Oui. Ne t'inquiète pas pour cela, Elena. On se reparle plus tard. Je n'ai pas voulu te décevoir. Je ne savais pas les réelles intentions de Kylie, à vrai dire. J'ai accepté ceci parce que... elle m'a dit qu'ensuite elle allait pouvoir m'accorder son pardon. Tu es sûr que ça va? Ouais, je veux bien, t'inquiète. Essaye de lâcher un peu. Entre. Je veux bien, c'est juste la fatigue. Coucou, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis désolée, Kylie m'a demandé de ne rien dire. Où est-ce qu'elle est? Vous allez le découvrir, là. Je ne peux pas lire en ce moment, mais... vas-y, fais-le, toi. Elle t'est destinée à toi, mais tu devrais la lire. Tiens. C'est encore une lettre de la compagnie. Elena, comment tu vas? Où es-tu à la fin? Tu m'as dit que tu étais déjà ici. Je vais rentrer à la maison. Tu sais que je... j'ai compris. Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez, calme-toi. Elena vous l'a dit? Est-ce qu'elle vous a dit que j'étais ici? S'il te plaît, assieds-toi, d'accord? Je t'en prie, nous devons parler. Tu es censé être en colère après moi. Mais non, pas du tout. Enfin, je veux dire plus maintenant, d'accord? Tu as reçu mon message, j'espère. Oui, mais je pensais que tu étais juste effrayée. Je t'ai écrit parce que j'étais effrayée. Et aussi parce que je voulais vraiment savoir comment tu allais aujourd'hui. Je me fais du souci pour toi. Ok, laisse-moi juste... profiter de cette opportunité pour m'excuser auprès de vous tous. Je suis désolée si j'ai été dure, intolérante, méchante, égoïste. Je m'excuse. J'espère que tu m'as pardonné à moi aussi. Moi spécialement. Oui. Donc, on peut toujours espérer une relation entre Robert et Kylie. Quoi? Ouais, bien sûr. Ouais. Ce qui veut dire que Robert et moi sommes beaux-frères. Et toi, ne sois pas si précis, d'accord? Vous êtes des gars. Sinon, tu vas bien? Non, mais qu'est-ce qui te prend, là? I'd fall anywhere with you, I'm by your side. Swinging in the rain, humming melodies. We're not going anywhere until we free.